Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des prévisions financières. Aujourd'hui, nous parlerons du Canada. Le taux d'inflation annuel du Canada est resté stable en août, conformément aux attentes, car les prix de l'essence ont compensé la hausse du coût des autres éléments, tels que la nourriture. Je reçois par téléphone Royce Mendes, directeur et chef économiste de CIBC World Markets, pour analyser les perspectives du dollar américain et du CAD. Royce, lors de notre discussion précédente, vous aviez prévu que Janet Yellen et la Réserve fédérale allaient relever les taux en septembre. Pourtant, nous avons vu qu'ils ont décidé de patienter. Vous aviez également mentionné la divergence entre les politiques monétaires du Canada et des États-Unis qui était susceptible de pousser le dollar canadien à la baisse. Alors, quelles sont vos prévisions pour la paire dollar américain, dollar canadien à court terme au fur et à mesure que nous nous approchons du quatrième trimestre? Je crois toujours que le principal moteur de la faiblesse du CAD sera la divergence des politiques monétaires des États-Unis et du Canada. En ce qui concerne la décision sur les taux en septembre, il faut tenir compte de certains facteurs internationaux qui sont entrés en jeu en modifiant sensiblement les perspectives. Nous attendions effectivement à ce que la Fed relève les taux en septembre, mais comme vous le savez, tout récemment, les marchés boursiers ont fortement chuté. En plus, il y avait d'autres facteurs tels que l'élargissement des spreads de crédit et le renforcement continu du dollar américain. Ces conditions financières serrées ont fait une partie du travail que Janet Yellen et la Fed auraient fait en relevant les taux. En allant de l'avant, nous envisageons toujours l'impact de la divergence des politiques monétaires, car les événements actuels ne sont que temporaires. Janet Yellen a récemment fait noter que l'environnement actuel n'a pas changé sa vision de l'économie américaine de manière significative. Et comme vous le savez, sa position à cet égard reste en mystère pour le monde extérieur. Tant que l'économie américaine continue de montrer une performance solide, je pense qu'il est toujours possible que nous voyions une hausse de taux cette année. Dans votre note de recherche, vous affirmez que le UR ne sera pas capable de résister au renforcement du dollar américain qui sera déclenché par le resserrement de la politique monétaire par la Fed. Cela est-il reflété dans vos prévisions à moyen terme à mesure que nous nous dirigeons vers 2016? Oui, cela est reflété dans mes prévisions à moyen terme. Je pense que nous verrons au moins 2 hausses de taux par la Fed au cours des 6 prochains mois, ce qui va sûrement attirer l'attention des marchés. Les gens seront attirés par le dollar américain en défaveur du CAD. D'ici là, les données canadiennes sont également susceptibles de s'améliorer et le changement d'orientation de l'économie vers les exportations et l'investissement des entreprises au Canada devrait soutenir le dollar canadien. Cependant, ce sera une période transitoire où le UR sera affaibli par la divergence des politiques monétaires, mais les perspectives deviendront plus prometteuses. En parlant du long terme, qu'est-ce qui s'annonce à l'horizon de la paire USD-CAD dans l'intervalle d'un an? En ce qui concerne les États-Unis, je pense que l'inflation restera encore faible et la Réserve fédérale devra prendre des mesures équilibrées en augmentant les taux d'intérêt progressivement. Et cette politique devrait commencer à porter ses fruits dans cet intervalle. Donc, nous ne prévoyons pas que les taux dépassent 1% d'ici la fin de l'année prochaine. En ce qui concerne le Canada, nous devrions voir une amélioration des perspectives de croissance d'ici la fin de l'année et un pas vers une politique monétaire plus restrictive. Nous n'envisageons pas de politique monétaire plus restrictive en 2016, mais nous avancerons dans cette direction. Vous avez entendu les propos de Royce Mendes dans le cadre de l'édition finale des prévisions financières de cette semaine de négociation. Restez avec nous car très bientôt, Louise McCauley vous présentera une mise à jour sur la paire dollar-franc-suisse. À très bientôt.